Et bien tout le monde, c'est LuffyCraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, bah moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warships Legend. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, bah c'est un jeu de bateau de guerre. C'est très simple. Comme vous voyez à l'image, c'est un jeu de bateau. Ça fait pas très longtemps qu'il vient de sortir le jeu. Je crois qu'il est sorti entre le 13 et 14 avril. Ça fait vraiment pas très longtemps, hein, pas très longtemps. Et le gratuit de ce jeu est sorti le 16. Donc ce jeu est gratuit. Vous pouvez aller désormais aller le télécharger dans le Play Store. C'est, ne vous doutez pas, je ne suis pas sponsorisé par eux. C'est pas du tout, ne vous inquiétez pas, mais pas du tout. C'est juste que je vous fais une vidéo pour vous dire qu'il y a un jeu comme ça qui est sorti et de vous en parler un petit peu pour qu'on puisse un peu en parler. Bon, donc c'est un jeu de bateau qui est très très cool à jouer, qui est très très simple à manier et franchement qui est très bien fait pour un jeu de bateau sur Play. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Il est complet. Il est très bien et les bateaux sont très bien faits. Vraiment, tout est bien fait là-dedans. Pour l'instant, il n'y a pas encore les trophées pour l'instant qui sont actifs, enfin qui sont activés pour l'instant. Donc, il va falloir attendre un petit peu avant que les trophées arrivent parce que bah, ils sont pour l'instant pas encore. Donc, ils risquent d'arriver par la suite dans pas très longtemps. Je pense qu'ils risquent d'arriver. En même temps, je pense. Hein, franchement, on verra ça par la suite. Comme vous voyez dans ce gameplay, j'arrive très bien à le manier. Donc, vous avez plusieurs bateaux. Donc, par contre, vous avez des bateaux des États-Unis, du Japon et des Anglais. Vous avez eux. Vous avez pour l'instant que ces trois-là au niveau des pays de des bateaux que vous voulez choisir. Il n'y en a pas plus. Il y en a quand même pas mal, mais il y a pour l'instant que ces trois pays. Peut-être qu'ils vont en rajouter d'autres, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas s'ils vont en rajouter d'autres. Ça, il va falloir voir ça par la suite avec le jeu. Mais je pense qu'ils vont en rajouter dans pas longtemps au niveau de tout. Au niveau de tout, hein, bien évidemment. Parce que bon, sinon ça ne serait pas drôle. Sinon, vous pouvez jouer avec vos amis, vous pouvez jouer aussi avec des vrais joueurs, ou vous pouvez jouer avec des bots. Donc, soit vous jouez contre des bots, enfin, soit vos ennemis sont des bots et vos alliés sont des joueurs, ou sinon vous vous battez contre des vrais joueurs et vos alliés sont des vrais joueurs, bien évidemment. Mais avant de pouvoir faire tout ça, il va falloir jouer d'abord en premier lieu. Avec les bots, il va falloir faire plein de parties avec les bots et vous allez pouvoir ensuite débloquer le mode en ligne entre guillemets pour jouer avec d'autres joueurs, bien sûr. Vous allez pouvoir y jouer et franchement, encore ça vaut le coup. J'ai testé un petit peu pour voir ce que ça donnait. Ça rend pas mal, c'est très très chaud au niveau avec les autres bateaux, c'est très tenace. Mais franchement, si vous voulez jouer, je vous le conseille. Parce que franchement, il est très bien fait pour ce qu'il est. Et je me répète encore une fois, mais il est très beau graphiquement. Franchement, il est très beau. Moi en ce moment, en tout cas, je suis en train de le tryharder comme pas possible. Parce que j'adore ces jeux-là. Et je m'attendais pas du tout à voir un jeu comme ça qui allait arriver entre guillemets sur Play. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y avait quand même World of Tanks hein, quand même qui était là. Mais bon, World of Tanks qui est quand même un jeu bien connu, World of Warships aussi, sauf que World of Warships il est plus connu pour les niveaux PC et téléphone un petit peu légèrement parce que téléphone il est bien mais voilà sans plus. Et puis voilà, donc franchement il n'y a rien à dire dessus. Donc si vous voulez le télécharger, allez le télécharger, il est tout à fait totalement gratuit. Et puis je vous le conseille vivement pour pouvoir aller le télécharger. Sinon, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me rejoindre sur Discord et Twitter. Vous avez tout dans la description. Nous, on se retrouvera pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Portez-vous bien et que vous gagnez avec votre navire. Sur ce, à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao.